Ok, donc apparemment nous avons l'abri qui a 5 minutes. Si jamais on fait une autre puce, on va voir si on peut avoir les autres emplacements en fait. Est-ce qu'on les garde? Est-ce qu'on va garder l'abri ou pas? On va prendre le monolithe. Recherche d'anciens artefacts extraterrestres. Ok, 4 minutes. Ah ouais, non, ça va, on a les deux. Ouais, bon, on va faire le reste alors. Ok, c'est plutôt cool quoi, à chaque fois. Mais par contre, à chaque fois, faut construire une puce de piratage en fait. Donc il faut vraiment avoir les ressources sur soi quoi. On va prendre l'avant-poste. Centre d'opération détecté. Ouh, là c'est plus loin ça. Peut-être qu'on utilisera le vaisseau quand on l'aura réparé. Pour y aller, au lieu de courir. Et le dernier. Transmission. Vingt-cinq minutes. D'accord. On va aller où en premier? D'abord, je voulais voir si on pouvait pas réparer des choses. Ah, voilà. Ok, on a ça. Par contre, pour le charger, il faut du titanium 9. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Ça, par contre, il faudrait 4 plaques, apparemment. Bon, bah, on va les faire, hein. Ah putain, il me faut du fer. T'es quoi ça? C'est du fer ça? Non, non, c'est rien. Étape de voyage atteinte. Cool, sympa. Réparation du vaisseau. Bon bah ça va, on avance assez vite. Par contre, il faudrait qu'on récupère plus de fer. Et on va aller vers la grotte, là, qui est bizarre. Hein. Voir s'il y a du bordel. Ah, fer. Donc on va construire les plaques. Enfin, les feuilles, je sais pas. Enfin, un truc en fer, quoi. On va faire ça, on va réparer le vaisseau. Et après on va... Je sais pas. Je pense qu'on va prendre le vaisseau pour se déplacer sur la planète. Ça ira plus vite que d'être à pied, quoi. Parce que plus on s'éloigne du vaisseau et plus on va mettre du temps pour y revenir aussi. Donc bon. Autant l'utiliser. Waouh la vache. Merde, je suis plein. Comment on fait ça? Non. Il y a quoi dans cette grotte? Ok. Ça, on le rechargera plus tard. Qu'est-ce que c'est que ça? De l'or? Est-ce qu'on peut le scanner ou pas? Non. Ok. Oh merde! Oh merde, je crois que je viens de... D'accord. Je crois que je viens de perdre l'or en fait. J'avais pas vu que l'inventaire était plein. J'avais pas fait gaffe. Ok. On va faire les plaques. On va faire le reste des plaques. J'avais pas fait attention pour l'or. J'espère qu'on va en trouver. 1, 2, il en faut. On a 3 sur 4, ok. Encore une. Ça c'est fait. Yeah! Donc là on a réparé
On a réparé le vaisseau normalement. De l'or, yeah, on a encore de l'or. Plutonium. On va en récupérer un peu plus. Je sais pas trop s'il faudrait tout récupérer, mais bon. C'est fun de tout récupérer en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a un point d'interrogation. Donc ça, on l'a pas découvert grâce au beacon, donc je pense. C'est quoi ces plantes bizarres? On dirait des... Ah, enfin bref. Plutonium. C'est quoi? Oh, qu'est-ce que tu fais toi? C'est pas moi, j'ai rien fait, qu'est-ce que tu fais? T'approche pas. T'approche pas, t'approche pas. Merde. Ok, ça va. Il nous suit pas. Est-ce qu'on peut détruire ça ou pas? Bon, bah non. Donc, nous sommes en route pour le vaisseau. Vu qu'on l'a réparé. Et après, on va... Bon, déjà, on donne ça. Et après, on va commencer à utiliser le vaisseau pour se déplacer. Parce qu'en fait, les distances, elles sont un peu trop longues. J'ai pas envie de faire tout à pied. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, c'est rien. Donc, pour l'instant, on va juste retourner au vaisseau. Tu sais, on s'éloigne de plus en plus et j'aime pas trop ça. Bon. Plenesungun. Ok. Oh. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est où c'est qu'on était, je crois. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, ok. On a juste sauvegardé. C'était le camp où c'est qu'on était au début. Ça va. On continue. Donc ouais, pour le moment, on fonce au vaisseau. Et on va voir... On va voir si on peut le faire décoller, déjà. Normalement, oui. Normalement, oui. Putain de Space Boost. J'adore ça. Casse-toi, toi. À quoi ça ressemble, sérieux? On dirait une plante... bizarre. Waouh, tu sautes en plus. Putain, t'es un Pokémon, en fait. Cette planète, elle est bourrée de Pokémon. Oh. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh, on peut sniper. Ouh. Oh, on peut récupérer les ressources de super loin en fait. Ouh, de l'or. Ok, ça c'est bien ça. Donc si on utilise le zoom, on peut aussi tirer. Ça c'est bien ça. Ça je savais pas. Du fer. C'est plutôt joli quand même. Hein, bon, il n'y a pas grand chose, mais... C'est plutôt sympa. Allez. Yo. Putain, j'ai cru que ça tombait. C'est quoi ça? On peut le scanner, on peut... D'accord. Oh, 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 attention les jambes. Pliez les genoux. Voilà. Faut toujours plier les genoux. C'est important. Ok, 50 secondes. Ça, c'est pas mal le coup du temps, là. Ça dépend apparemment de la vitesse à laquelle on se déplace et on peut voir le temps comme ça, c'est pas mal. C'est quoi ces gros blocs de terre là?
On dirait des bâtiments qui se sont effondrés ou j'en sais rien. Bon, par contre, il va falloir monter ça. On va peut-être faire le tour, c'est mieux. Ah oui, pour l'icône qui est en bas à droite, j'ai mis un petit moment à découvrir ce que c'était. En fait, ça veut dire que mon inventaire est plein, tout simplement. Ok, donc on est de retour au vaisseau. C'est toujours un pass atlas, non, c'est pourri. Est-ce qu'on peut... Non, c'est quoi qu'on devait activer la dernière fois? Bon. Ah oui, c'est ça, débris intérieur, balise de détresse. Bon, on l'avait fait déjà. Donc, non, ça c'est le vaisseau, ça c'est moi. On va déplacer le fer. On va faire des stacks en fait dans le vaisseau, genre du fer, plutonium, iridium. Comme ça on l'envoie dans le vaisseau, parce que le vaisseau on peut en garder beaucoup plus que nous. Donc on va faire ça. Alors j'ai chargé les propulseurs avec du plutonium. Donc apparemment le plutonium, c'est assez important. Donc normalement tout devrait être bon là. Les cellules, je sais pas à quoi ça sert. La vapeur électrique, je sais pas à quoi ça sert non plus. On a des éclats de blindage, des plaques de blindage aussi. On a un peu d'iridium. Et sur 500 aussi. Nous, on peut emporter que 250 et le vaisseau, il peut emporter 500. Alors, comment on décolle cette merde? Oh, oh mon dieu. Table de voyage atteinte. Ouh la vache. Ok, ok, reste cool. Je voudrais bien voir les commandes par contre. Reste cool. Ok. Bon, apparemment on peut pas bouger sa tête. On peut pas regarder genre à droite, à gauche du cockpit, dans le cockpit. On va aller à l'abri. On va aller à cet abri, tiens. Ça, c'est l'abri qu'on avait découvert. Comment on descend? Ok. Tout automatique. C'est très bizarre hein, de le manier le vaisseau. Ok. C'est très très bizarre. Et après là-bas il y a le point d'interrogation, mais il a 10 minutes donc on ira en vaisseau pour ça. Parce qu'il est assez loin. C'est quoi ça? Appeler le vaisseau. Ah, on peut appeler le vaisseau. C'est pas mal ça. D'accord. Ouais, le point d'interrogation, c'est celui-là que je voulais y aller, mais bon, je me suis dit non, on va prendre le vaisseau d'abord, parce que c'est loin. Donc apparemment, ça c'est la base. Normalement, tout est bon. Je vais juste voir si on n'a pas des trucs à envoyer, comme ça on récupère de l'argent, si jamais il y a, je sais pas, du commerce peut-être à faire. Apparemment, on n'a rien. Envoyer, voilà ça. Ok. Je dirais d'abord on va faire le tour. Au cas où, si jamais il y a un guet-apens. D'abord on va faire le tour. On connaît pas, on visite. Il y a un beacon. Alors. Scanner les signaux. Bon, ça c'est apparemment c'est pareil, je pense. Il faut une puce de piratage, donc bon, on fera ça peut-être plus tard. Ah, ça. Ah, voilà, ok. On a trouvé l'émetteur pour la brille en fait. Perle de fascination. Qu'est-ce que c'est que ça? Santé au max. Capsule énergétique, ça c'est cool. La capsule, on va la foutre dans le vaisseau. Ok, tout est bon. On sauvegarde. Sympa. Donc là, on est à l'abri que le beacon, en fait, nous avait montré avec les puces de piratage.
Donc ça, c'est un des emplacements qu'il nous avait montré. Ça, c'est intéressant. Ok, on va rentrer. On va voir ce qu'il y a. Bonjour. Ouais. Apparemment, c'est désertique. Ouh, la vache, la lumière. C'est quoi, ça? Technologie du multi-tool. Multi-outil. Multi-tool. Ok, concentrateur de rayons Sigma. Sigma. Ok, comment on fait ça? Installer technologie. Lance-foudre. Projectile d'énergie. C'est pour tirer, ça? Et ça, c'est... Traitement plus rapide des matériaux riches en ressources par le rayon d'extraction. Cool. Bah, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on fait? On va faire l'autre aussi, hein. Ok. Lance-foudre. C'est quoi ça? On peut interagir. Carbone. C'est quoi ça? La forme de vie qui travaille ou travaillait dans cette installation a laissé son équipement de scanographie en marche à la recherche de nouveaux systèmes de phénomènes spatiaux intéressants dans le ciel. Son absence, elle a touché au jackpot, vise reçu, séquence transmise. Attends une réponse. Qu'est-ce que c'est que ça? 1-2-1-2, 2-1-2-1, 1-2-1-2, bah 2-1-2-1 donc, je pense. Ça a l'air simple. Peut-être trop simple. J'ai découvert un lieu parmi les étoiles lointaines. Ok, non, c'est bon. Ok, apparemment on est bon.